Et ce drame dans la commune de Yopougon, au quartier Selmer, un incendie causé par une bouteille de gaz détruit 4 appartements sur un immeuble de 3 étages. Ce feu a tout ravagé sur son passage. Heureusement, pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Le témoignage de Franck Kouadio. Pleurs et désolation à Yopougon-Selmer, 4 appartements partis en fumée. La petite Marie, élève, ne dormira pas au chaud cette nuit. Ses livres et cahiers et même des effets personnels emportés par les flammes d'un incendie déclenché aux environs de 16 heures. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On ne sait pas où on va partir. Tous nos vêtements, tout brûlé là-bas, toutes nos fournitures. Depuis combien d'années où on est presque allé à la retraite, à tout, tout est parti en fumée aujourd'hui là. Même pas, il n'est même pas pu se lever. C'est mon tout qui est là que vous voyez comme ça. La cause du sinistre, une bouteille de gaz qui a explosé dans cet appartement, selon la police présente sur les lieux. Des flammes vite circonscrites cependant par les secours. Les propriétaires de cet appartement ont barricadé avec des antivols, des portables métalliques. C'est vrai que la sécurité est importante, mais vous constatez qu'avec des situations pareilles, il n'est pas facile d'accéder. Tous ces appartements ayant des cuisines, vous voyez que les bouteilles de gaz ont été pour nous un facteur qui ne nous a pas permis d'accéder parce qu'il y a des dispositions à prendre. Cet incendie n'a cependant causé aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et une tâche de secours rendue difficile par le manque de bouches d'incendie.